Hey, salutations, noble joueur. bien bienvenue à toi dans cette vidéo sur World of Warcraft. Un problème qui nous concerne tous, mes chers amis, gravissime, qui te concernera. Si tu joues à World of Warcraft, qui t'a déjà concerné, j'en suis sûr et certain. N'hésite pas à me mettre sur les commentaires si as déjà été concerné par ce problème. Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Que tu sois youtubeur, streamer, que tu sois simple joueur, tout le monde a déjà été impacté par ce problème, et un problème qu'on a généré soi-même, avant ah bon, d'en parler n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, et commençons tout de suite par ce grave ici si problème que tu as créé toi-même, cette frustration que tu te crées, c'est que vous savez, à un moment donné, il se peut que dans ta petite vie, dans ton quotidien, tu te dises « Ah, je vais faire une petite pause de WoW », tu vois, tu te dis « Je vais te faire une petite pause de WoW, t'arrêtes toi dans Farcraft pour X raisons, jeu, contenu, vie, RL, enfant, blablabla, tout ça », et un matin, tu te lèves, tu sais pas pourquoi, parce que tu sais... Quand tu joues au World of Warcraft, t'as ton petit train de vie qui est fait. T'as tes dangers mythiques, t'as ton PvP, t'as ton, ton petit rêve, t'as tout un train de vie, tout un truc qui est monté. Tu sais comment va se dérouler ta vie tous les jours, tous les petits trucs que t'as à faire. Et le jour où t'arrêtes au World of Warcraft, t'as plus rien de tout ça. Tu vois, t'es un petit peu perdu, tu te lèves le matin, tu sur ton ordinateur, ou t'arrives le soir après ton boulot, tu lances ton ordi, tu sais pas vraiment quoi faire. Et un jour. Tu te dis, allez, let's go, on relance BattleNet, et je vais refaire un petit tour sur Bob. Donc, c'est ton retour sur The Warcraft, et je vous dis que le retour sur The Warcraft, euh, mon dieu, c'est horrible. C'est une sensation qu'on a déjà tous vécue, qui est difficile, et qui, qui est une torture. Parce que déjà, aujourd'hui, bah, tu, tu devrais te dire, bon, je commence sur The Warcraft classique, ou je reviens sur The Warcraft Shadowlands, mais. Admettons que tu reviennes sur Shadow. Première chose que tu fais, tu vas lancer le jeu de manière innocente. Tu vois, tu dis, allez, let's go, je vais revenir sur WOW parce que c'est parce que un truc qui te manque. Bah, c'est à bon avoir essayé un milliard mémos RPG, etc. Tu sais, WOW, te faire sentir un truc qui a commode. Tu as peut-être critiqué WOW, tu as peut-être crashé sur WOW. À un moment donné ou à un autre, tu t'es repris de regret. Tu dis, j'ai besoin de ma dose de WOW, j'ai besoin de ma dose de WOW. Et du coup, tu reviens sur WOW. Première problématique Déjà, tu te dis, bon, je vais sur quel serveur Parce que si t'es un vieux joueur de haut, t'as un milliard de serveurs, donc tu te dis sur quel personnage tu vas jouer, sur quel serveur, si... et tu dois choisir, tu vois, selon tes potes, si tu vas les solos ou pas. Admettons que tu vas sur le serveur eh ben, le plus populaire, parce que tu vois des gens, tu te dis, bon, cette fois, est-ce que je vais côté horde ou côté alliance, si t'as plusieurs factions Bon, là, admettons que tu restes côté horde, parce qu'il faut venir. Et là, tu te dis, un moment fatidique, c'est, est-ce que... Je vais retourner sur mon personnage, déjà, niveau maximum, où j'ai oublié les mécaniques, ou les fondements, il y a probablement eu des changements, Ou est-ce que je crée un nouveau personnage niveau 1? Et là, déjà, t'en as pour un moment, tu vois. Là, déjà, t'es, es dans une phase incroyable, c'est que t'as pas encore joué au jeu, mais t'es déjà en train de te dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais une nouvelle race? Est-ce que ce serait l'occasion de monter une classe que j'ai jamais jouée Et finalement, peut-être que je vais pas l'aimer, ou est-ce que je reviens sur un personnage que je connais déjà? De toute façon, mes montures sont liées, mes mascottes sont liées, mes nouveaux sont liés, donc je pourrais peut-être m'en profiter de faire une nouvelle aventure. Et avant même que tu lances le jeu, tu te rends compte que... En plus d'activer tes add-ons. Donc tu réinstalles toutes tes add-ons. Allez, let's go. Tu vas faire la liste de tous les add -ons. Si tu les, les as toujours installer, tu vas tous les mettre à jour. Donc comme tu vois là, j'ai un milliard d'addons à mettre à jour. Donc tu mets tous tes add-ons à jour. Ensuite, qu'est-ce que tu fais Tu te dis Bon, allez, tranquille, c'est bon. Je me, suis, je me suis décidé parce que là c'est bon quoi. Soit tu montes un nouveau personnage avec une nouvelle bande de potes, soit tu je te dis Tu retournes sur ton personnage. Admettons que tu retournes sur ton personnage ou que tu montes un autre personnage, tu te connectes au jeu et là, tu retrouves l'univers. Incroyable d'Azeroth, mais tu, tu ne vas toujours pas jouer parce qu'il y a d'autres problématiques qui vont s'enchaîner à travers toi. Première problématique, c'est que tu es quelqu'un de fier, tu vois. Tu es quelqu'un de fier, et la première chose que tu fais quand tu te connectes, c'est que tu vas regarder tous les exploits que tu as fait, tu vois. Si tu es entre potes, alors c'est encore pire. Parce bah, que tu vas commencer à montrer des hauts faits d'héritage ou des tours de force que personne n'a, euh, ou des contenus d'extension. Tu vois, tu vas commencer à faire, ouais, hey, regarde, moi j'ai fait parce que je jouais à cette époque et tout, machin, tout ça. alors là, Tu vas commencer à contempler toutes tes montures. T'as toujours pas joué au jeu, hein Tu vas regarder, oh, regardez, euh, regarde-moi ça, toutes les montures que j'ai, elles sont incroyables, elles sont magnifiques, elles sont belles. Tu vas commencer à les invoquer, puis il commence à les regarder. Mais, mes chers amis, première problématique, c'est que tu dis, mais. Waouh, il y a des trucs qui ont changé. Donc tu commences à garder des arbres de talent, tu sais plus comment jouer ta classe. Donc si tu reprends ta classe, peut-être que là à moment-là, tu dis non, mais finalement je vais recommencer à un personnage niveau 1. Et tu n'as même pas encore joué, que tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire sur le jeu Est-ce que cette fois je viens pour faire du PvP Est-ce que je viens pour faire du PvE Est-ce que je viens pour faire du combat de mascotte Est-ce que je vais aller farmer des montures Qu'est-ce qu qui se passe au niveau du lore Donc là, tu n'as même pas encore joué au jeu, tu fais ah, on va aller faire un petit tour sur internet. Donc sur internet, tu vas faire quoi tu vas aller regarder les vidéos d'Unatelle pour aller regarder le lore ou les vidéos de Sam Vostok aussi. Tu vas regarder les vidéos de Beatback Gator parce que tu veux regarder absolument toutes les aventures, les mascottes que t'aurais pu rater. Si tu es un peu plus tryhard, tu vas aller regarder les vidéos, tu vas aller poser des questions sur live de Cusa, de Lapidono pour leur poser des questions dans la méta. Si tu es un gros tryharder, tu vas regarder le Simcraft parce que tu veux jouer uniquement ce qui est optique et tu te dis merde la classe que je jouais elle pue la merde. Je jouais euh, Décassant et du coup Décassant ça ne m'intéresse plus. J'ai envie de jouer euh, Mage Feu ou Mage Frost. Tu vois, parce que tu regardes tu ça stats et tu ne te préoccupes même pas de ton plaisir. Et tu te retrouves face à un milliard de questions et de problèmes et tu retournes finalement sur le jeu. Une fois que tu retournes sur le jeu, souvent... Moi, ça me concerne, moi, mes chers amis. Tu sais pas quoi faire, tu vois. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas par où commencer. Tu sais pas si tu vas dans la nouvelle zone. Tu, tu vois que tu, tu as un milliard de quêtes à refaire. Tu, tu, dois, tu regardes ton stuff, t'as envie de pleurer. Tu te dis que ton stuff qui était ultra pété à une époque, qui pue la merde aujourd'hui. Parce que, évidemment, les stats, elles augmentent. Et du coup, tu te dis, bon, bah, par où je dois commencer Est-ce qu'il faut que j'aille faire du raid Il faut que t'ailles faire une suite de quêtes et tout, machin, tout ça Donc, du coup, peut-être ton personnage chassant, tu te dis, ouais, non, va chier, je vais commencer du niveau 1. Tu vois Si tu vois. Faire du PVP, évidemment, que toi tu as éclaté parce que t'es pas joué au niveau du stuff, au niveau des stats et tout le bordel. Et, et, et sans compter que les méta changent Et là, tu te dis Bon, il y a trop de problèmes, les gars. Je pense qu'on l'a tous fait. Il y a trop de problèmes. Donc, tu vas te rejoindre directement vers la zone de téléportation. Tu vois, tu vas aller là. Et tu vas aller dans un endroit qui s'appelle Dalaran. Tu vois, et vous voyez là où je vais en venir c'est que tu vas aller à Dalaran, mon cher ami. Et qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas aller à Dalaran Vous le savez déjà, tu vas aller à ICC et tu vas te dire « Bon, allez, let's go, on revient, on va aller faire les, les raids, on va essayer d'aller choper Invincible, on va essayer d'aller choper euh, Mimiran et tu vas faire des vieux raids comme ça pour aller dropper des montures en attendant de, de réfléchir tout en regardant les vidéos YouTube et suivant les conseils des gens et réfléchir ce que tu vas faire pour que finalement tu finisses par te déconnecter de ce personnage, que tu finisses ensuite par te connecter sur un autre personnage que tu t'avais pas du tout prévu de jouer et tu te connectes sur un autre personnage tu te dis bon bah finalement je vais jouer ça d'accord mais tu te fais avoir tu sais pourquoi parce que ce personnage là autrefois te servait à farmer des montures tu vois comme mon cas de figure là parce que tu le jouais plus tu vois tu l'avais monté mais tu le jouais plus et là du coup tu te fais quoi tu te fais avoir doublement parce que tu te connectes et ce personnage et encore dans le raid que tu formais l'aventure. Regardez, là, là, vous avez la preuve, tu vois, mon DH là, il, est, il était à ICC. Donc moi, bon, en l'occurrence là, j'ai été TP, je ne sais pas pourquoi, mais souvent ça m'est arrivé de me connecter sur mon personnage qui était dans le raid, et du coup tu te retrouves à nouveau à farmer le raid, et tu commences de nouveau à réfléchir ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer mon DH et tout ouais, Je sais pas, et tout, et tu commences de nouveau à raisonner, tu sais toujours pas quoi faire, et c'est un gros bordel, parce que la remise en question de retour sur Doom il y a tellement d'activités à faire que ce soit PVE, PVP, AREN et tout, machin, tout ça, eh ben, tu, 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 c'est un véritable raisonnement, c'est une, une véritable torture, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, là, tu vois, là, je commence à avoir euh, cette manque de World of Warcraft, parce qu'il y a un truc qu'on doit... qu'on doit être honnête, tu vois. Que tu critiques le jeu ou pas, que tu aimes le jeu ou pas, World of Warcraft, c'est ce que j'ai expliqué dans précédente vidéo, a fait majoritairement pas partie de notre vie, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, et on a un attachement qui est unique pour ce jeu, tu vois, qui n'est pas similaire pour tous les autres jeux, et du coup, bah, au bout d'un moment, tu peux avoir, euh, tu sais, ce, ce manque, tu vois, parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que gros, c'est un truc qui est bien fait, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences à jouer pour 2, 3, 4 semaines, tu as plein de trucs à faire, tu es bien organisé, puis tu sais comment... Planifier ton amusement, entre guillemets, tu vois. Et du coup, une fois que t'as tout cet amusement qui est planifié, euh, donjon Plus, realm, mascotte, monture, etc., et que tu, tu, tu arrêtes le jeu, bah tout ça s'effondre et du coup tu te retrouves à jouer à d'autres jeux, mais tu au bout d'un moment tu te décomposes et t'es devant ton ordinateur et tu sais plus quoi faire et tu te dis, let's go, Don't You WoW. Mais quand tu retournes sur WoW, bah t'as toute cette prise de tête. Donc finalement. Qu'est-ce que tu finis par faire Bah, tu finis soit par euh, recommencer tes activités en ayant un pote qui donne des coups de main, soit, bah, tu fais comme moi, tu te dis, bon, bah, tu sais quoi, let's go, cette fois, on fait un truc qui a rien à voir, je crée un nouveau personnage, je vais créer un voleur et faire du full PVP parce que je pue la merde, voilà. Et du coup, tu te dis, vas-y, on part sur le petit PVP, on crée un nouveau personnage, Je monte une petite race que j'ai jamais montée, et let's go. Mais non, mais, en toute sincérité, moi, ça me fait bien marrer tout ça, les gars, parce qu'évidemment qu'on a... on revient... À un moment donné ou à un autre, tous sur Wow, c'est un truc dans les commentaires qui, qui est vrai, c'est un petit peu ironique, c'est les gens qui disent Ouais mais vous crachez tous sur le jeu, et vous finissez toujours par revenir, bah ben, en vrai, c'est vrai tu vois, que qui que ce soit, au d'un moment, t'es un petit peu le dément, t'es là « Ouais, bizarre, vous fait la merde et tout, machin, tout ça, on n'est pas content, mais c'est assez hypocrite parce qu'on finit tout le temps par revenir sur le jeu à un moment donné ou à un autre, parce qu'on y a investi du temps, des heures, il y a des histoires, vous êtes liés d'amitié, il y a pas mal de trucs qui sont en délire, et puis que moi, tu vois, maintenant je commence à être dans cette phase, où je me dis, eh, tu vois, ce jeu me manque, tu vois, ce jeu me manque, et tu as, as envie de te marrer, de te taper des barres et de t'amuser, et puis moi, tu vois, je suis régulièrement concerné par ça. Alors, je sais pas combien de pauses, toi qui regardes cette vidéo, tu en as fait dans ta vie, moi, des grosses pauses de wow. J'en ai fait trois dans ma vie, j'en ai fait une grosse à Cataclysme, Cataclysme Pandari, j'en ai fait une autre euh, fin B... non Mid BFA, voilà. Et puis sinon, bah, j'ai fait cette pause-là maintenant, dernièrement, qui était sur Warcraft je l'avais dit que c'était une pause, j'ai gentiment envie de revenir. Il y a un truc qui me botte, je ne sais pas ce que, ce que ça vaut, il y a des gens peut-être qui l'ont déjà fait, mais je n'ai jamais fait... Tous les combats de mascotte, tu vois, je sais qu'il y a un truc délire Pokémon avec des donjons et tout, des maîtres-dresseurs. Je me serais dit, pourquoi pas faire un petit truc de combat de mascotte J'hésite vraiment à monter un voleur, tu vois, à monter un voleur pour faire du Mythic Plus et puis et puis faire un petit peu de pvp ça pourrait être sympa mais je suis un petit peu éclaté au sol en voleur je suis un peu éclaté en sol en tout tu vois mais j'hésite tu vois je suis un peu dans cette phase ouais je reviens sur mon sur mon brood mais je... il faut que je, le... que je me réhabitue à le jouer tu vois parce que même si tu as joué des heures à des heures faut que tu te réhabitues mais en tout cas je pense que tout le monde toujours, de world of warcraft a été au moins une fois concerné par le problème de revenir sur le jeu, hein, ça te concerne tout le monde. Quand tu reviens sur le jeu, c'est toujours une prise de tête parce que tu sais pas vraiment quoi faire. Tu regardes des vidéos à droite à gauche, tu te renseignes et tout, machin, tout ça. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir sur un jeu où as toute cette nostalgie qui est générée. Et puis, bah, moi, je, je, petite partie du cœur. Moi, j'espère vraiment que la franchise World of Warcraft, c'est ce que je dis, Je parle bien de la franchise, euh, et ben qu'elle aura du, du gros futur, que ce soit un jour avec un reboot, que ce soit avec des grosses mises à jour, etc. Parce que oui, nouvelle extension, tout le monde finit le temps par revenir. Mais j'espère vraiment que que la nouvelle direction, tout ce qui se passe chez Activision, c'est pas le but d'en parler dans cette vidéo, nous permettra de, de, de toujours maintenir World of Warcraft. Parce que même si le jeu lui-même tel qu'elle aujourd'hui, je dis qu'un moment donné un autre, il y aura une fin, mais c'est pas la fin du jeu. Il y aura ça sera pas la fin, ça signe pas la fin de la franchise, tu vois. Ils pourraient avoir un World 2 ou un WoW 10.0 ou un futur de World of Warcraft comme ils ont fait un reboot comme Final Fantasy. Peut-être qu'ils peuvent faire ça, on n'en sait rien. Mais c'est toujours un régal de revenir sur ce jeu. Et d'autant plus quand tu vas sur d'autres MMORPG RPG puis que tu ressors frustré ou déçu ou je ne sais quoi et que tout d'un coup tu te dis bon vas-y en fait tu wow, c'était pas si mal. Ben oui c'est la vérité, WoW, c'est pas si mal, tu vois. Mais après ça change rien au fait qu'il y a plein de problématiques qui sont présentes sur World of Warcraft, qui sont compréhensibles, mais euh, c'est toujours bon. De revenir à la maison. Merci, mes amis. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo. J'ai trouvé ça marrant. C'était chou Tchoup. À la prochaine. Ciao, les amis.